Bonjour à tous! Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines recettes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire une charlotte de courgettes aux petits légumes. Alors, nos courgettes. Donc, il nous faut des courgettes avec des morceaux bien droits. Et à présent, on va couper toutes ces chutes en petits morceaux. Allez, on va couper nos carottes. On réserve les carottes. À présent, on va s'occuper de nos pommes de terre. Voilà, pareil, on coupe une tranche. Voilà, on va les couper en petits bâtonnets. Et on en fait des petits cubes. Alors la pomme de terre, ça a une utilité dans la recette, c'est que ça va faire le liant en plus des œufs. Voilà. Grâce à l'amidon. Faut surtout pas les laver. Vous les épluchez, vous les coupez en morceaux. Et l'amidon se mélangera à la recette. Et voilà. Allez, on réserve nos pommes de terre. Allez, dans un saladier, on va mettre nos œufs. Deuxième. On sale. On sale bien, hein, parce qu'il y aura les légumes. Voilà. On poivre. Généreux aussi. Et on mélange. Voilà. On vient mettre nos pommes de terre. Nos carottes. Et nos courgettes. Et on mélange. Voilà, on vérifie l'assaisonnement. Et bon, c'est prêt. Allez, on réserve. Allez, dans une poêle, on met de l'huile. Voilà, c'est généreux. Et on va y mettre nos morceaux de courgettes. Voilà, on laisse un peu. Voilà, si c'est. Hop, on les égoutte. Allez, on continue. Allez, c'est bon. Allez, à présent, on va monter notre charlotte. Alors, nos courgettes, au centre, voilà. Et c'est parti. Allez, à présent, on va ajouter nos petits légumes. Et maintenant, on va refermer notre charlotte. Alors, on commence par l'envers.
Donc j'ai mis mon four à chauffer, on va faire cuire au bain-marie. Donc à 150 degrés. Pendant 40 minutes. Et voilà. Allez, au bain-marie. Allez. On met dans le plat, on va mettre directement de l'eau chaude dans notre bain-marie. Et voilà. Allez, au four, c'est parti. Ça me semble cuit, ça. Alors, on pique dedans. Et si ça colle plus, c'est que c'est bon. Et si la lame est chaude? Impeccable, la lame est tiède. C'est bon, c'est cuit. Allez. Super. Bien coloré. Impeccable. Allez, on va la démouler et on va dresser. Allez, on va démouler la charlotte. Oh, super. Bon, bah, on passe à table alors. Allez, on y va. Et voilà, c'est prêt. Regardez notre petite charlotte, elle est superbe. Garnie de légumes, ça va être un vrai délice. Et elle pourra accompagner tous nos plats, autant les viandes que les poissons. Allez, on vous laisse, nous, on va bientôt passer à table. À bientôt. Pour la recette, nous avons utilisé 3 courgettes, 2 œufs, 2 carottes, une demi-pomme de terre, du sel, du poivre et de l'huile.